Ce mercredi, le projet de loi sur la démocratisation du sport en France était en lecture à l'Assemblée nationale. Le 19 janvier dernier, le Sénat a adopté un amendement pour interdire tout signe religieux ostensible lors des compétitions sportives, mais il n'a pas été validé par la commission mixte paritaire. Aujourd'hui, un rassemblement dans ce contexte a eu lieu place des Terreaux pour interpeller les membres des débuteuses et de l'Alliance citoyenne ont organisé un match de foot inclusif en soutien aux hijabeuses, écoutez. Elles sont femmes en premier, sportives, mais elles sont juste ramenées à leur voile. Seulement ça. Ça nous indigne et ça nous révolte aussi beaucoup parce que on est en 2022, on est dans une société où c'est cosmopolite, tout le monde est mélangé. On s'est dit que c'était super pertinent et symbolique en même temps de, en parallèle, faire un match inclusif où des personnes transgenres vont participer, des femmes qui portent le voile, et de ramener le débat là où il doit être, c'est-à-dire sur le terrain, et montrer qu'en fait on peut jouer sans avoir à se poser ce genre de questions et sans qu'il y ait d'interdit en fait.